Des mots, ça veut dire dramatique, macadam, obsédant, diablesse, militante, obstinée. Mine de rien, ça veut dire que ça reste de l'écriture, c'est de la musique, on changera pas le monde avec de la musique. Mais mine de rien, ça veut dire aussi beaucoup de choses, tu vois. On est tout et rien à la fois, faut rester humble, modeste. On n'est rien sans tout le reste, tu vois. Pour moi, c'est voilà, c'est une éthique, c'est un état d'esprit. J'apporte mon flow, mon charisme, ma personnalité, ma technique, mon écriture, mes punchlines, mes lyrics. Je suis sincère, franche. Je veux pas faire l'unanimité. Chacun pense ce qu'il veut. Faut être tolérant, respectueux. Moi, j'ai mon univers. Voilà, il y a des jours avec, des jours sans. Je suis entière, nature. Il y a 20 morceaux, 10 solos, 10 featuring. Et on peut retrouver BOSS, Nizay, Mafia K'un Fri, Aki, Tepa, MC Ricta, Lors du Silence, Fatal Click. Franchement, il y a grave du beau monde. Des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur toutes les galettes qu'on voit à l'heure actuelle où t'as souvent les mêmes têtes. Depuis que je suis petite, je refais le monde avec des potes. Voilà, la souffrance, l'injustice. Moi, je suis une hypersensible. Donc voilà, j'ai l'âme d'une rappeuse depuis que je suis petite. Je pense, voilà, j'ai besoin d'écrire pour me défouler, pour voilà toute la haine, toute la rage qu'on peut emmagasiner, que ce soit en bas de chez nous ou à l'autre bout de la terre, bah moi je le retranscris dans mes rimes pour voilà pour survivre. Voilà, c'est ma drogue et donc pour moi voilà, depuis le départ, je pense que le rap il me guette. Après, j'ai écouté à partir de 10 piges, j'écoutais du rap Assassin, Arsenic, NTM, IAM, voilà, tu vois les trucs à l'ancienne. Et après, petit à petit, bah, j'ai gratté, tu vois, j'avais 13 piges, 12-13 piges, j'ai commencé à gratter avec une voix de pyjama, des gros mots plein la bouche, tu vois, c'était voilà, c'était pas terrible, tu vois, quand j'écoute les cassettes à l'ancienne, voilà, je rigole, tu vois. Et petit à petit, bah, voilà, j'ai commencé à faire les bases, à apprendre, à taffer. J'ai fait pas mal de labels bidons, entre guillemets, mais je regrette rien parce que c'est mon parcours. J'ai galéré parce qu'en tant que fille, en tant que fille de quartier populaire, déjà en étant déjà une femme, c'est déjà un scandale, alors faire du rap, c'est l'apothéose. Donc voilà, on est présent. Voilà, j'ai mon parcours. On a galéré. Après, j'ai rencontré le label RY Music. J'ai posé sur leur premier projet Rap Indé, qui était une compile double CD. Et après, la suite, elle s'est faite naturellement. RY Music, Espérance Prod nous a rejoints aussi. Et voilà, après, on a fait le projet. J'ai progressé au niveau de la technique, du flow, de la forme, du fond. Et pour aboutir à un joli projet.